Hello à tous, on se retrouve pour l'épisode 44 de Baldur's Gate. C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai regardé sur ma feuille, j'avais 44 ah, tout entouré, donc c'est 44. Ah d'accord, je croyais que tu gardais le compte. Non, non. Et on dit bonjour aux trois pélos qui sont avec nous. Bonjour les trois pélos. Bonjour les trois pélos. Bonjour les trois pélos. Voilà. Et on était enfin arrivé à Baldur's Gate après combien d'heures de jeu? Laissez-moi vérifier. Un peu. Laissez-moi vérifier. Allez. Ça va être dans 54 heures, un truc comme ça. Non, mais c'est ah, 50 sur le cloud. On a speedrun. Hein. Ah ouais? Ouais, moi je suis arrivé. Je suis arrivé à l'acte 3, je crois que j'ai dû y arriver à peu près à 90 heures de jeu. Oui, mais ouais, en 55 heures. Ah oui, non, mais moi je lis tous les dialogues et bon, je retourne le moindre caillou qui se balade sur la map. 55 heures. Bien. Donc, nouvelle zone à explorer. Il y a un coffre en bois qui a déjà été vidé. Non, c'est pas moi. Faut creuser. Mais oui, mais c'est déjà, j'ai déjà creusé, il est là le. Test de survie ici. Regardez, il y a un coffre là. Tu vois le nain derrière, tu vois qu'il y a là. Il y avait des trucs sympas dans le coffre. Bah, écoute, moi j'ai trouvé une potion gigantesque de santé, donc c'est pas si mal. Ah bah, c'est parfait pour toi. Quoi? T'en taper. Attends, dans le coffre, il y avait encore des trucs? Non, c'était dans un sac que t'as pas looté. Bah, j'ai looté tout. Je me fais aborder par une rousse, au secours! Attends, t'as récupéré une potion suprême? Ouais. Tu te fous de ma gueule. Attends, il y a une fille qui cherche sa maman, qu'est-ce qu'on fait? Oh, t'es chiant! She went to go get some herbs and she was supposed to come back the same day. That was last 10 days though. Ah ouais, le gamin il a perdu sa maman il y a 10 jours alors qu'elle avait des taches partout sur le corps. Vous en allez. Je me barre. Oh, ça va, c'est bon. Je pense que manger. Ta mère est probablement morte. Mais My mom would like this. She's the best cook in the world, and she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Ouais. Thanks a lot. Ça sucks ton histoire là. Y a un coin qui s'appelle la fosse commune. À mon avis, t'as tes chances. Monsieur connard, enchanté. Il y a plein de magie ici. Mais il y a plein de caisses avec des trucs à looter ici. On va perdre notre âme ici. Il y a tellement de trucs rouges. Ah, must resist, non. Après, si tu passes invisible ou si on met un petit nuage. Ouh, il y a pas mal de cadavres par là. Bon, ça y est. Vous voulez pas parler aux gens là? Il y a des gens qui veulent parler. Alors, j'aime beaucoup, il y a des gens partout, donc Non mais dehors là, il y a plein de gens là, il y a des cadavres partout. Ouais, mais genre là. Ouais, par là, là. Non, ah, putain. Oh putain, et il y a des pics par terre, faut pas cliquer dessus, hein. C'est dangereux ça. Tu peux même pas allumer le feu de camp sans passer en rouge. Ah oui. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the steel watch intervened. Garde d'acier. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Garde d'acier. Donc on n'a pas le droit de passer ici. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de cadavres. Hein. Vous pensez vraiment qu'ils veulent pas? Mais c'est vraiment, ah oui, c'est vraiment ça la ouais. Porte. C'est vraiment ça la porte de la ville. Bah, c'est... Ça doit être une des portes de Baldur. Petite, non, quoi. Déjà, non, on est à Rivington, on n'est pas à Baldur's Gate propre. Non, on est sur les, comment dire, on est à extérieurs. Aigreterre. Hein? En français, ils ont appelé ça Aigreterre. Ouais. Ah bah en anglais, c'est plus classe, hein. Ça s'appelle Rivington. Allez, let's go. C'est quoi ce tremblement de terre? Si vous me suivez jusqu'à l'escalier, je pense qu'on peut rentrer dans le corps de garde. Un jet de survie raté. Hop là. Sortez les pelles. Belle pioche.
Titanic. En fou, j'ai pris le truc le plus important, Jess. Ah, t'es sérieux, putain, enfoiré. Moi, je dirais, mais j'en ai trouvé un deuxième. Les gars. Ça devrait te faire plaisir, Arda, ça. Ça fait plaisir de trouver des jolis pare-chauds, là. Après, si juste je peux récupérer les pare-chauds pour l'électricité, sachant que je peux maxer les dégâts. Il est parti perdre. Mais c'est un truc de glace, c'est pas un truc. Oui. Non, mais je vous préviens juste que si c'est de l'électricité, si c'est des pare-chauds qui balancent de l'électricité ou du tonnerre, moi je peux maxer les dégâts quand je les lance, donc. Mais pourquoi lancer de l'encre noire, c'est totalement stupide. Quoi? Oh là là, putain, t'es con. Lancer du tonnerre. Waouh, le temps que ça monte au cerveau, j'étais là, le tonnerre. Oh là là. Ouvert un marchand. Ah. Hey, allez, à tout à l'heure. Il s'appelle comment? Matisse. C'est lequel? Ah, mais c'est un petit gars. T'as un gars, il s'appelle Manip. Ah ouais. Manip Nestor. Non, mais. Ah, ben il avait des trucs intéressants. Matisse. C'est le Matisse. Gars qu'on avait à la Druid. Oui, c'est le petit gamin. Bah, il était aussi à l'auberge. Il était pas censé être pris par. Non, c'est Matisse, c'est pas Moll. Ah oui, c'est ça. You're the reason some of us got here in one piece. Thanks. And you're in luck. Bien cool. Et parce que tu m'as envoyé, j'ai pas le niveau pour la prendre. Mais écoute, je suis ravi de te l'avoir donné. Fancy stuff. Bah, je suis ravi de te l'avoir envoyé. Vas-y, fais péter. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Oh. Paddle. Que bah, laisse Katox l'acheter si ça, jamais ça coûte une couille, à mon avis. Ça a l'air si bien. Il y a des choses qui ont l'air magnifiques. Oh, ah, attendez, j'ai trouvé un truc qui a marqué les attaques à main nue. J'ai vu quelque chose là. Ah, oh, c'est incroyable. Quand tu veux. Ce serait quand même bien qu'on puisse voir ce que le mec vend, même si tu peux pas acheter, mais que la personne, quand elle est en train de regarder pour le... Alors, il y a un bouquin, il faudrait sans doute l'acheter pour qu'on le lise. Sinon, il y a un... Comment ça s'appelle? Un collier qui est... Ok. Et en vrai, il y a un casque, je suis pas contre, hein. Bah, si tu me laisses regarder, je peux te dire. Pas un casque, un espèce de bandeau, là. Pour faire plus mal. Ah, c'est quand on sera dans la ville, je vais vous péter les rouleaux pour aller voir Daimon. Il va avoir des armures de fifou. Parce qu'en vrai, le avoir 17 d'intel, ça me sert pas à grand chose en vrai. C'était sympa, mais. Ah, après en plus, les jets de. Les sorts qui jouent sur l'intel, je crois qu'il y en a deux. Bah, c'est ça, c'est pas si fou que ça quoi. Après, c'est bien pour les jets des trucs passifs, je sais pas qu'est-ce qu'il y a déjà en Intel. Non, mais j'avais pas envie de me mettre. En Intel, t'as arcane, histoire, investigation, nature et religion. Ouais, mais tu vois, je m'en fous, c'est que des trucs que je fais jamais. Blablabla. Bah, surtout que regarde, moi j'ai 0 en Intel et j'ai un bonus de plus 4 pour la religion, donc déjà ça c'est réglé. Et Arda il a. Regardez cette d'Arda, ça sert à que d'elle que t'es ça toi. Mais c'est pour ça, Arda il a 10 000 d'Intel donc. Donc c'est le bandeau que tu veux? Ouais, je suis pas contre. Ouais, database quoi. Ok. Souvenir de Corvid. T'as combien t'as? Ah ouais, t'as 20 là. Ouais. Bah, je suis un magicien, si j'ai pas 20 en intelligence, je sers à rien. Oh. Bon, 18 c'est quand même déjà pas dégueu, hein. Moi il faudra que j'arrive à monter à... Ah bah, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme dernier feat. Attends, j'ai quoi un feat là? Oh, j'aime tellement cette musique. Y'a d'autres choses qu'il faut que je prenne? Moi y'avait que ça. Ok. Potion de visibilité, non. Potion de concentration sans pareil, c'est pas besoin. Bah, il avait pas de matériaux ou quoi. Non. C'est pour vendre 2-3 trucs. Bon, là, il y a des gens qui sont face à un point enflammé, je suis sûr il y a une discussion à faire. Un point enflammé?
Je serre le poing enflammé. Il y a serre son de fange. Il y aura un autre marchand qui sera là, là. Lui, dans mon premier, dans ma première run, j'avais pas pu lui parler. Et peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Le petit gars là. Ouais, je l'ai pas. Regarde là. Oh putain. Ah, mais là. C'est pas le thing depuis tout à l'heure. Ouais, ok. Oui. J'avais vu. Tiens, j'ai pas regardé là. Tiens, je t'ai balancé ton bandeau. Après, attends, moi j'ai plein de merde à vendre donc. Non, mais bah, vas-y. Les deux épisodes, allez, peut-être. Là, Non. Vendre des trucs, on voit tout au camp, on fera ça tout à l'heure. C'est pas très intéressant pour les plus boss. Ah, mais pendant que vous êtes en train de vous galoper, moi je peux faire ça. C'est la zone où quand tu fais du murder hobo, tu dois être heureux. C'est grave. Bah écoutez, pourquoi ça a pas marché? Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont rajouté. Ouais, putain, le savon ça coûte 257 PO, ils sont ouf. Le savon? Qu'est-ce que tu veux, le truc du savon? Et à quoi ça sert? Maintenant, tu peux acheter un savon et quand t'es justement recouvert de sang, tu l'utilises et paf, tu deviens tout propre. Ah. Purement cosmétique en plus? Oui, oui, c'est juste pour le cosmétique. Enfin, je crois. Oui, y'a un mec là, je pense, j'ai envie de le baffer. Quoi? Qui? Bah, Cerson de Fange. Cerson de Fange. Cerson est un bon gros raciste. Oh, nice, laisse-moi lui parler. Mmh. Ouais, ouais, copain. Valdarians, stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Oh non, sérieux, ils ont fait une bouteille d'eau qui est infinie. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city. Oh. I allow trash and vermin to take our homes and goods. Oh, another visitor, I see. Listen. J'ai l'impression qu'ils ont fait une bouteille d'eau infinie. Vous êtes où là? C'est bien. Ah, tu parles au. Au connard. Ferg Dogger. Bah, Ferg Dogger, ils vendent des trucs. On sert son fange. On parle au connard d'à côté. J'aime bien. Vous plaisantez, j'espère. Votre accent est celui des Gretaires, ça ne compte pas. Le gros connard. Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldarian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. Bah, du coup, on est aussi de Baldur's Gate. Je sais pas si Mathieu Mercer. Non, je crois pas qu'il était dans les. On a plus rien à se dire, je pense que je l'ai vexé. C'est sûr que si, il a doublé Minsk, mais je sais pas si. Oui, Minsk, oui, autant pour moi, oui, c'est vrai. Bien sûr. Vas-y, je parle à Ferg Dogger. Fais-toi plaisir. I took you for one of them for a moment. Ah, il a des épées dans le dos. The refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something they lack. Ah ouais, c'est ma grande stature. La dignité. Oh, c'est dur. Tu as de la dignité avec ton armure pleine de crânes. Ouais, je dignifie bien moi. And me. Une activité qui allait lucrative, non? Waouh, les mecs, faut mettre d'accord là, je. Ouais, j'ai vu qu'ils étaient pas d'accord. Bah, tout le monde est d'accord. La troisième option, comme ça, au moins. On est d'accord pour pas être d'accord. Classique. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you cannot eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Instantanément. Alors. Oh, alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Il a un parchemin de chaîne d'éclair. Il a une dague. Pour une off-end. Il a un marteau de gêne. Ah, il fait boomerang des Breyers.
Cette arme revient dans la... revient à son propriétaire quand jetée. Tu vois, effet boomerang débrayable, c'est ce que je disais. Et est-ce que c'est Et si c'est un nain qui jette le marteau, ça fait un des 8 de dégâts en plus. C'est incroyable. Si la cible est grande, large ou gargantuesque, l'attaque fait 2 à 16 points de dégâts supplémentaires. Je pense que ça peut être intéressant de l'avoir. Bon, alors. Ouais, il y a une... Après, ça coûte 2000 pièces d'or, donc c'est un peu... C'est un peu pas cher. Grave. Là, on a un arc long qui fait un plus 3 à l'initiative et avantage sur les jets de perception. Une fois par tour, la créature touchée par cette arme peut être touchée par Fairy Fire. Eh, c'est pas dégueu, hein. Avantage sur les jets d'attaque. Ouais, et ça empêche la cible de passer fufu, enfin invisible. Et en vrai, moi j'ai une arbalète. Ah non, il y aura une arbalète de fifou, mais s'il y a quelqu'un qui a une compétence de longbow, toi tu dois en avoir une, non? Non? Je pense qu'en tant que haut elfe, je devrais avoir ça, moi. Non, moi c'est shortbow que j'ai pas longbow. Attends, mais t'as récupéré toute ma thune, 14? Ah, bien sûr, j'ai plus de thune non plus. Attends, j'avais 3000 PO et là j'en ai plus que 100. Non. J'en ai 0. Je vois pas de quoi tu veux parler. Bah, si tu veux m'acheter le marteau d'un. Bah oui, généralement tu laisses la personne avec du charisme le faire. Ah oui, c'est pour ça. Est-ce que j'ai gueulé parce que tu m'avais piqué ma thune? J'ai juste fait un constat. D'ailleurs, sachez qu'on a 25 PO. Désolé, 25K PO. Ouais. Hey, te fous pas de notre gueule, on a accès. Oui, je maîtrise les arcs longs. Je maîtrise les arcs longs. Donc, je peux prendre l'arc de Fifou. Je peux, j'ai pas. Alors, marteau de lancer, non. Il y a pétrification en parchemin. Télékinésie en parchemin. Non, ça va. Froid de l'âme, c'est une dague. Arc long des chevaliers des enfers, c'est ça qu'il faut que je prenne? Après, ouais, le Bartonin, tu l'as déjà acheté? Il est là, oui. Non, non, vas-y, le prends pas. Pourquoi? Parce que il va y avoir une arme dans peu de temps qui va être, qui sera mon arme que je garderai jusqu'à la fin, donc. C'est 1000 PO. Ouais, mais prends-la au moins pour la tester. L'armure que je veux, elle coûte extrêmement cher. Je crois qu'elle vaut 30 000 pièces d'or. Tu n'auras pas tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'armure aussi. Mais regarde, le moine là c'est bon, il est déjà overpété stuff. Mais le moine on en parle même pas. T'habilles un peu comme un clodo, mais en même temps tu jettes des sorts. Est-ce que t'as besoin d'une belle armure? J'ai plein de parchemins à vendre, hein, sinon. Oui, en soi, il y a pas mal de trucs qui traînent au camp. Bah, moi, j'ai commencé à vendre tout le stuff que je garde en mode ouais, ça se peut toujours servir, là je le vends, fuck it, j'en ai marre. Pareil, il y a des trucs que j'ai au camp, il faudra qu'on aille les vendre à un moment. Si vous avez des trucs à revendre, c'est le moment. Il a 2000. Là, je les ai pas sur moi. Il a 2000 PO donc. Bon, alors attends, je vais essayer de voir si je peux pas aller faire un petit tour au camp. Bah, ouais, si je vais récupérer. Vous voulez faire une petite pause dans l'épisode pour qu'on fasse la vente ou... La pause vente commence maintenant. Maintenant. Putain, ils sont où les coffres? Ils sont au milieu. Hein? Ah, et on retrouve Yena. Je suis au milieu là. Lui il est bon, retour. Bah oui, on est de retour. Voilà, une bonne chose de faite. Vous jouez un mauvais tour. Bon, il est pas trop beau mon marteau. Tout ce qu'on a juste déclenché sans faire gaffe, c'est le magasin général d'Aigreterre. Il y avait un forgeron. Et en fait, ce forgeron, c'était Aurine qui nous disait: faites attention, je ne sur vous. Puis le forgeron est ressorti en faisant: vous m'avez attaqué! Et nous on a fait: nope, c'est pas nous, c'était un doppelganger. Il a fait: c'est ça mon œil. On a réussi à le persuader en disant: non, c'est un jumeau maléfique. Il a fait: d'accord. Voilà. Bien. Est-ce qu'on avancerait pas vers les trois gens là qu'on a juste en face de nous? Allez, c'est beau marteau. Hein. Rencontrons les jambons. C'est un beau marteau. T'as vu, un marteau là. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Diluvia! Get these squatters out of my house now! C'est pas le même que tout à l'heure. Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards.
not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Calmons-nous. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Et là, je vois le jet de dés. Ouais. 13. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? Ouh, il y a un truc dans la cave. Basement. Oh, nothing interesting, just materials. I'm a craftsman, you see. This man is definitely lying. And he's really hoping you don't pry any further. Look, I have some very valuable components in there. I need to get that lot out before they damage something. What do you mean by that? Shh, sweetheart. Adults are talking. This is guild business, and we'll handle it as soon as we get paid. Enough of this bickering! You, what's your proposal? Agreement? Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I got nothing to say to them. Bien, on peut aller visiter son basement, non? Ouais, tant que je suis en train de parler, certains, allez-y vite. Ah ouais, Je vais y aller vite. Ouais, mais je pense pas que ça va déclencher des options de scène de dialogue. Ah bah voilà, ça y est, let's go, il va lui mettre la bagarre là. C'est la bagarre. Hop, passe. Ouais, c'est pas dit. Ah si. Bah, non. Eh non, perdu, non. C'est con, hein. C'est dommage, parce que sur un des 4, faire 1. Allez, ouais, vas-y. Boum, allez, voilà, cette fois-ci ça passe. On arrive sur des jets de dés qui deviennent intéressants. Voilà, là pourquoi j'ai fait 4 maintenant là. Je sais pas, écoute. Hein. C'est pas obligé ça pour descendre dans son basement. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart. Ouais, c'est tout. But it won't work on me. Bah, vas-y, deviens Doug là. You've stepped on the guild's toes. And we'd like a little something to make it better. Perception successful, j'ai trouvé guild, le hatch. A loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule. Oh mon dieu, on est menacé par des assassins. Bon bah, ça fera de l'XP, hein. Ou sinon. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Ouais. Je savais, j'ai récemment tué un avatar de Mircule, alors vous ne m'en voudrez pas de pas avoir peur. J'aime bien ça. J'avoue, c'est pas mal. Ah ouais. Oh merde. Ah non, c'est toi qui l'as déclenché. Oh là là. JPP. Oh, sympath, mais En même temps, j'avais d'office, c'était d'office. You're serious. Let's forget this unpleasantness ever happened. Come on, boys. We've got places to be. Elle se chie dessus là. 800 XP, gratos. Ah, on aurait dû demander aussi de nous filer sa thune. Est-ce qu'on n'irait pas dans sa cave au gars là? Ah, si, c'est ça, mais elle est où sa cave? Elle est là. Dans ton... Où ça là? Dans ta... Bah justement, dans ta cave. De l'autre côté, évidemment. Elle est là où je suis. Dans ta cavité. Ah, il a refermé la trappe avec le tapis dessus. C'est pas mal ça. Par contre, il faut fermer la porte parce que c'est rouge. La trappe là. Ah ouais. T'as déjà tout volé Ah ouais. J'ai rien volé du tout. Sans, ils vont pas nous accuser de voler dans une maison que eux-mêmes ont récupérée quand même. J'ai rien volé pour une fois, j'ai été patient.
Alors... Pourquoi il y a que de la merde. Oh bah non, tiens, bim, un petit saphir, hop là. Guidance avant de descendre. Bah t'es où? T'es en bas là? Oui, Guidance avant de descendre sur toi. Mais... Ah, sur moi? Oui, bah on est déjà en bas. C'est une sacrée cave, hein. Y'a un ours empaillé. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah... Ok, donc là, pas bon. C'est très piégé. Employeur, bizarre. Ah, oula. Ouais, niveau perception, c'est pas des rigolos, hein. Bon, éloignez-vous, je vais désamorcer les pièges. Ah, d'accord. Là, il y en a encore un. Watch how you go. There's a trap. Moi, j'aurais quand même trouvé quelques-uns. Watch how you go. There's a trap. I must heal. Ça va, Katox? Tranquille, tout va bien. Ah, de la popo! Pourquoi je suis seul à prendre des dégâts dans ces merdes? Moi, je vous vois full PV. Merci. Il y a encore des pièges partout, c'est ouf. Je pensais pouvoir récupérer ces trucs là. Oh, il y a un tambour de guerre, est-ce que je peux prendre en instrument? Ce serait terrible. J'ai récupéré de l'ambre de caisse donc. Ça devait être un compo. Ah. J'ai fait 30. Bah, je peux pas le prendre. Une lettre et des sous. Instruction à suivre pour les dons. Looks like his generosity is compromised. Ah, c'est un généreux qui n'est pas généreux, quoi. Ah là, il avait un truc, c'était genre littéralement des instructions pour faire chanter des gens. Des gens de l'opéra? Exactement. Mais tout à fait. Il est mignon. Mignon mais un peu con, hein. Ouais, c'est... Petit breton. There's a trap. Qui joue du tambour là? Pourquoi ça m'étonne même pas? Il faut jouer la discrétion. Ouais, c'est ça. Oui, il caisse là-bas. Enquêter sur les étranges objets. Quoi? C'était une nouvelle quête. T'as récupéré une corde, mec. Ça se vend. Something good here. Et bientôt elle sera dans ton inventaire. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je me dis. Bon, on va aller lui recoser au Jackie là. Nous avons trouvé une lettre de chantage dans la cage du fabricant de jouets. Il y a apparemment quelque chose de dangereux dans ceux qui ont été donnés pour les réfugiés. Il ferait bien de les trouver et vite. Je trouve un violon si jamais tu veux changer d'instrument. Non, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon, vous avez tout fouillé là? Bah, je suis pas allé à l'étage encore de sa baraque à Jackie. Ah mais il est dans sa petite pièce. Qui? C'est dommage, on peut pas toquer. Ah toi aussi tu l'as vu le... Y'a une lire hein, sinon. Oh je suis... j'ai plein de... Est-ce que j'ouvre la porte de ce mec? Ah c'est pour l'enquête hein. Vas-y. Vous voulez pas qu'on parle aux deux gars d'en bas pour leur dire attention aux jouets? Oh, si on peut. Le lockpick en attendant. Attends, vas-y, je vais leur parler. Heartless scum. I'm a reasonable woman. We could easily work something out in a house this big. J'aime trop quand t'as ouvert la porte, il t'est pareil, genre. T'as gagné de l'inspiration? Thanks. I made Horm keep you.
Il a un petit plateforme dans le country. Mais non. Ça parle de ça en tout cas, donc à partir de là. Ça parle de ça? Ça parle de saint. De boobs. Ouais. Pensée privée d'Arthur, ok. En anglais c'est Her humble bosom flutter. Clairement, ça commence par ses gros seins. Pourquoi tu t'es bourré la gueule? Parce que c'est drôle. Ça faisait plaisir. Parce que bah, il est pas du tout là, j'ai acquis la frite là. Tu sais que hey tu peux. Ah yes, allez, bim! J'ai trouvé la clé du sous-sol. Ouais, ouais, bah j'ai laissé. Bah attends, vas-y, je lui vide son bouquin porno. Allez, je voulais le dire. Ah bon, bah attends, je te l'envoie. Sa généreuse poitrine tremblait comme les ailes d'une colombe frottant contre ses doigts. Les pointes de sa moustache se dressèrent d'excitation. Les flammes du désir brillant dans ses yeux. C'était l'amour, incontestablement. Ah, l'amour, ce concept porteur de rêve. Il transpirait rien qu'à y penser. La grâce, l'intensité de ses sentiments naissants et la joie pure, absolue, enivrante qu'il procure. Voilà. Ok. C'est naze. Ah là, moi j'ai une lettre de lui qui est allé à la maison close du quartier qui dit qu'il a fait une petite connerie avec les jumeaux Drow, donc il reviendra pas. Je connais ces jumeaux. Mmh. Mais il est passé où ce con là? Lequel? Oh, il y a un bœuf de la caravane à qui parlait. J'ai déjà parlé, il a dit que l'herbe était vachement bonne. Oh, c'est nul. Non, le bœuf étrange, c'est pas le même. Voilà, il y a tout le monde qui parle. Et la petite, elle veut construire une maison pour des rats. Elle est vraiment tapée, celle-là. Mais non, c'est pas lui, le bœuf. Bon, on va où maintenant? Mais il est passé où, le mob, en gros? Ouais, c'est barré. Il s'est fait la malle. Alors, sur la carte, regardons. Magasin général. J'ai pas d'indicateur de quête. Mais il y a le gros truc qui est au sud-est là. On n'a pas du tout exploré ce gros bâtiment en fait. Alors ça, mais vous voulez pas vu qu'on a commencé la quête du maçon là, ça se finit pas. Le forgeron là. Là il y a une quête avec lui. Voilà. Ouais. La zone en bas là où je, enfin la zone en bas où on était à côté des marchands et tout. Ça c'est le bas de la zone, donc si vous voulez faire un méthodique, on peut faire le bas de la zone et après on monte. Faisons ça alors, en avant. Ouais. Il y a un coffre. Ah, peut-être que lui il vend des trucs. Lord on the rack. Give me patience. These protesters keep harassing the refugees. It's horrid. I just hope the Ilmater Temple opens up aid again soon. We need their help here. Not these intruders. I'm paid to take down. Il y a des coffres partout. Il faut parler au Madip Nestor. Ouais, je lui parle. Ouais. Ah, je peux dire. Attends, en étant guerrier, je peux faire. Mardon inspecteur alors. Ça va tellement pas passer. Let's go. Même si t'as moins 1, on s'en fout, ça se tente. Tente. Ouais, sérieux, vous voulez que je tente? Allez, let's go, vas-y. Ouais, super, ouais, oui, ça va bien se passer. Allez, 3, 2, 1, partez. Let's go. Ah, ouais. T'as fait moins 1 plus 1, ouais. Agent spécial du Fiorapon. Oh, je vais pas utiliser l'inspi. Non, pas pour ça. Your uniform's not regulation. Neither are those weapons. Non. You're a rotten liar, mate. Mais non. I'll let the boys at Worms Rock deal with you. Hein, quoi? Bande de cons, on va plus loin. J'aurais jamais dû vous écouter. C'est génial. Non, mais non. Ah oui. C'est génial. Alors, je sais pas quand j'ai sauvegardé. Quoi, hein. On vient avec toi, manifestement, mais... Non, après, j'ai fait une sauvegarde rapide. Bon. Ah, t'as relancé, là? j'ai vu le coup arriver, t'inquiète pas. Bon, on aurait pu aller en prison aussi, c'est pas grave. Quand il y en a un qui est emmené en prison, c'est pas tout le groupe, c'est juste la personne qui a fait la boulette, je crois.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça dans la partie quand t'es en solo avec des PNJ, mais... Même ça, t'as quand même les PNJ pour tenter de le sauver, quoi. Bah, la prison, de toute façon, tu peux toujours sortir. Ouais, t'as toujours une petite échappatoire. Alors, non. Non ? Il y a, dans certains cas de figure, je me suis retrouvé dans des prisons s'il n'y avait pas les gens qui étaient à l'extérieur. Je serais resté bloqué dedans. Oula, mais tout le monde parle à des gens, mais c'est des gens différents, je sais pas. Ah là, par contre, je dois. Ouais, super, j'ai moins 1 en charisme. Bah, tu veux, sinon, on quitte et je m'en soigne. Ouais. Ah, attends, je peux soigner les gens. Le mec avec une armure avec des têtes de mort partout. Je soigne les gens en fait. NPCs need healing. Putain, je comprends pas. Bah, en gros, c'est les gens, ils ont faim et ils ont pas de thunes. C'est plus ça qui a besoin de soins que le fait de les soigner vraiment. Bon, allez, casse-toi, laisse-moi lui parler. C'est bon, trop vite. Laisse faire les charismatiques. T'inquiète pas, c'est pour ça que je me suis utilisé. Do you know a voice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. Je... Mon don à l'intérieur de l'étable. Titre. Je l'attendais. Je tente la persuasion. Ah, c'est vrai, la première. Le dangereux au milieu des dons. J'ai pas envie de le mettre en ami, sinon il va encore m'accuser de tricherie. 26, allez, c'est bon, cassos. I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. Ah, bah de toute façon, les jouets, ça va être là-dedans. Ah, oui, de toute façon, ils avaient dit qu'ils avaient filé des trucs. Oh, c'est vrai qu'il y a un coffre là. Hey, toi aussi, tu viens de le voir, mais j'ai tellement envie de l'ouvrir. Eh, hey, non, mais attends. Est-ce qu'on peut faire. Cochon si on a... Attends, y'a pas... J'ai pas des flèches, moi, qui permettent d'obscurcir. Ah si, j'en ai une. Eh, si tu veux, mec, je mets une flèche de ténèbres. On vole le coffre et on l'ouvre plus loin. Attends, je parle à... un cochon. It's something of an art, you see. Il était en train de dire qu'il faisait pousser ses moustaches. Eh bah, très bien. Oui, on peut faire ça, ouais, si t'as une flèche. Ah si, je vais faire ça. Je vais aller voler le coffre. Après, je sais pas s'il y a des trucs intéressants dedans. Bon, j'essaierai ça après. Là aussi, il y a un coffre. Après, on peut récupérer des trucs dans les caisses, j'ai l'impression. Bah, il faut inspecter, en fait, je crois. Ouais, j'inspecte fort, là. Investigation fail, là où je suis, si jamais. T'es... Ah, t'es là. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis. Il y avait une caisse. J'ai cliqué dessus. Là, et c'était des jouets. Il a même pas pris de dégâts. Non, j'ai esquivé. Ah bah y'a le Manip Nestor qui est à côté là. Peut-être on reparle à Kiki là. You were right. Explosives. Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. You try and find whoever is responsible for this. J'aime beaucoup, tu sais, y'a le mec qui est là. Ouais, enfin, il faut que je m'assure que les donations sont en sécurité derrière. On a la Témière qui était en train de looter tout ce qu'il y avait de par terre. Si jamais, ça pourrait s'envoler. Non, mais de toute façon, c'est des évidences. Ça aurait pu exploser, faut faire très très attention. Ouais, c'est des preuves, on va s'assurer que ça n'est pas dangereux pour les. Que la patate n'est pas piégée. Putain, mais j'ai volé des fringues. Y a des fringues, putain, c'est un concept. Hein. Hey, c'est laisse-moi mal, deviner, ça. Peu de tissu, beaucoup de révélations. Ouais, un peu. Hein. Vas-y, montre. Oh, dis donc, salut Gourgandine. Là... En plus, c'est une chenille d'anarchiste. Hein. Par contre, c'est original l'arrière, la culottée de chic. Ouais, t'as vu, ah oui, dis donc. Il y a pas beaucoup de tissu. Hein. Pas beaucoup de tissu là-dedans. C'est... Hop là, c'est bon, j'ai trouvé une armure. Hein. Attendez. C'est un concept, ouais. Ah, celle-là, ouais. Elle est pas mal. Après, il y a ça. Bien sûr. Ça, c'est pas mal, hein.
Ça c'est qui ? Bon, ça fait classique quoi. Là tout de suite ça fait. Oh, regarde moi que j'ai du flow. Moi je vais garder ça le temps qu'on arrive en ville et qu'on puisse. Attends, laisse-moi les... tester la tenue blanche de l'anarchiste. Oh là là. Oh, tu vas être splendide, j'en suis sûr. Oh ouais. Oh, yes. Oh là là. Hey, Giocherini. Giocherini. On dirait un gymnaste. On dirait un gymnaste. En vrai, je pense qu'il y a moyen que ça soit pas mal si tu lui mets des couleurs, parce que là, la couleur, elle est un peu à chier, mais... Ah ouais, si jamais t'as des tenues avec des corsets et tout, des tenues un peu plus filles de joueurs... Il va garder ça, juste pour déconner. Alors, moi, ce que je trouve horrible dans ce que je viens de faire, c'est que il y a des gens, ils ont faim, ils n'ont pas de sous. Toutes les caisses où il y avait de la bouffe, je les ai vidées. C'est pas horrible, nous aussi, on a faim. On sait jamais, peut-être que la nourriture a été avariée, ou il y avait du poison. Mmh. Pourquoi je peux pas sauter? Parce que t'es nul. Allô? Mmh. Oh, ça sent le... Eh. Ça sent le crash, c'est ça? Bah, je sais pas, je peux pas sauter. Mon perso, il est bloqué, là. Ah, je peux plus sauter non plus. Ah bon, c'est bon. Bon. Du coup, celle de la grange, c'est fait. Est-ce qu'on essaie de voler le gros coffre, alors, ou pas? Quel gros coffre? Je sais pas, ils ont parlé voler, coffre, j'ai sauvegardé. Ah, attends, non, je peux faire un nuage de. Oh. T'as Marine Layer ? Ah, j'ai fog. Vas-y, j'essaye. Enfin, si je peux lancer le sort, peut-être un jour. Pourquoi je peux plus sauter moi non plus hein ? Je peux pas lancer de sort. Là, mon perso est bloqué là. Ouais, moi c'est pareil. Ah, un philosopher. Who could have thought? Pendant ce temps-là, Katox est en discussion. I've heard about you. You're the one that helped us with the goblins. You know, most of us didn't make it, right? Zevlor failed us. It's mainly anger that keeps me going. Zevlor. Je vais des cours au cours. But he froze when we needed him most. I haven't seen him. Il est pas content, hein? Non, il est pas satisfait. Bah, je pense qu'il a le droit en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est un des tiflins du campement et il est en train de cracher son venin sur Zevlor. Zevlor la pute. Bah, en même temps. Ouais. Ça se comprend. C'est mignon. Il y a une scène entre deux amoureux là qui se retrouvent. J'ai pas vu ça. De quoi? De Tiflin? Oui. Ah oui, bah parce qu'on n'a pas déclenché la scène à l'auberge de la dernière lueur. Come here, darling. D'accord. Ouais, on avait libéré le mec. Ah. Et on aurait la fille si on lui avait parlé avant d'aller à la tour des méchants là. Et tout ça grâce à moi. J'aime bien un spectacle des plus émouvants et tout ça grâce à moi. Et Katox, bien évidemment, me demande de cliquer là-dessus. Alors, je vais le faire. Moi, de leur choper des PO. Credit where it's due. Bex, this is the one who helped me and the others escape. Ah bah le jeu accroche. This isn't the first time you've helped us. Saved our lives, really. Moi, j'avoue que j'ai Alt F4 le jeu avant. Hein, why? Hein. Non, mais je l'ai fermé à la régulière et là je l'ai relancé et ça me dit. Que ça crache. On remarquera que c'est que les gens qui ont des mods d'habitude qui veulent que le jeu vous le fasse. You make it sound so easy. Je crache aussi. But I know the lengths you've gone to on our behalf. Bah en vrai je pense pas we'll parce que tout à l'heure j'ai bien réussi, on a bien réussi à rejoindre tu vois. Bah oui là, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi maintenant là, ça here poserait problème. Take these for the road. Oh. It's the least I can do. En mode streaming sur Discord, ça serait incroyable. Du coup il nous a donné un truc mais je sais pas quoi. Bah, c'est donné à toi. Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle m'a donné. C'est une potion. Ça te donne un bol d'eau.
Et je comprends pas parce que pourtant les modes que j'ai ça met même pas le message comme quoi ça corrompt les données ou quoi ou autre. La corruption, la corruption, la corruption partout. T'as parlé aux gens qui étaient un peu plus loin, Katox ou... Oui, un petit peu. Le mec est en train de dormir, il râlait que c'est un gobelin et que personne ne l'aime, ce qui est normal, j'ai envie de te dire. Moi c'est bon, j'ai fait clic droit rejoindre la partie direct sur sur les amis Steam. Un joueur a rejoint la session. J'avais, ah ouais. Ouais. Bah je vais essayer dans le jeu. Bah, ça a recraché instant. Hein. Genre j'ai rejoint, j'ai chargé à 100% et ça a crash instant. Bon, on stoppe l'épisode là le temps que ça se refasse. Bah oui. Hein. C'est un choix. On va relancer tout ça. Ah ouais, moi c'est pareil, le jeu crash. À la prochaine. On vous fait des gros bisous. Ciao, même ciao. Ceux qui ont craché font des bisous. Tchou, ouais, des bisous, ouais.